Madame, bien sûr. Ça glisse. Vous ne pouvez pas aller plus loin. D'autres chutes de pierre bloquent la piste. Il faut chercher à tourner. La vallée de Lounen se présente sous la forme d'un cirque naturel, situé à 150 km de Marrakech, dont 50 km de pistes difficiles et souvent impraticables en hiver. Cette vallée très isolée renferme une cinquantaine de douars, dont la plupart sont situés en flanc de montagne. L'exploitation minière, autrefois prospère, absorbait l'essentiel de la main-d'œuvre locale. Son déclin actuel oblige une partie importante de la population active à quitter la région. Aujourd'hui, l'activité principale de la région demeure l'agriculture. Une agriculture traditionnelle, utilisant encore la traction animale et sollicitant l'effort de l'ensemble de la cellule familiale. Cet effort est soumis à une division du travail où personne n'est épargné. Si les labours et les semis sont réservés aux hommes, les femmes assurent, en plus des tâches ménagères et familiales, l'entretien des vergers, s'occupent de l'élevage et participent activement à la moisson. L'eau, c'est l'élément essentiel de l'activité de l'ensemble de la vallée. Dans des conditions climatiques normales, elle est abondante en hiver, mais se fait souvent rare en été. Si la gestion sociale de l'eau est soumise à des règles rigoureuses et complexes, souvent à la base de litiges sporadiques entre villages, son utilisation pratique, notamment en irrigation gravitaire, reste aléatoire et peu rationnelle. La situation géographique, tout en facilitant le système d'irrigation gravitaire, impose un mode de culture en terrasse. L'eau arrive dans ce village après avoir parcouru plusieurs dizaines de kilomètres et après avoir servi à tous les usages, domestiques et agricoles, dans d'autres villages en amont. Cette eau usée servira ici comme eau de boisson. L'usage de l'eau ne s'arrête pas à la boisson,
à l'hygiène et à l'irrigation. Elle est également exploitée pour produire une force motrice capable d'entraîner un moulin artisanal sophistiqué, produit localement, grâce au savoir-faire millénaire des artisans de la région. Avec l'arrivée de l'été, l'abondance de l'eau fait progressivement place à une sécheresse relative. La quête de l'eau de boisson devient une tâche fastidieuse, d'autant plus que les besoins en eau augmentent. Nous sommes en pleine sécheresse. Nous devons aller chercher l'eau loin du Douar sans pouvoir en ramener une quantité suffisante pour nos enfants. Nous partons tôt le matin et nous ne sommes de retour qu'à midi. C'est à 2 ou 3 km qu'il faut aller la chercher. Nos enfants vont à l'école et nous ne pouvons laver leur linge qu'une fois tous les 15 jours. Quant à la vaisselle, elle est rarement bien faite à cause du peu d'eau dont nous disposons. La soif va finir par nous exterminer. La quête de l'eau est généralement à la charge des femmes et des enfants. Le temps consacré à cette corvée varie de quelques heures à une demi-journée selon l'éloignement de la source. Tant de rencontres et d'échanges, ces moments peuvent se transformer en espaces de conflit, selon l'attente, la patience ou le débit. Si au niveau de la source, l'eau est pure, en aval, elle devient vecteur d'infection. Ceci explique, entre autres, le taux élevé de mortalité infantile que connaît la région. Un enfant sur quatre meurt avant l'âge de 5 ans. Tentative de recherche-action est entamée dans l'Ounain par une équipe de chercheurs de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, à la demande de l'UNICEF. Elle se fonde sur la participation de la collectivité villageoise, la Jma'a, à la mise en place d'un dispositif hydrosanitaire et hygiénique. Avant la réalisation de ce dispositif, la Jma'a, en collaboration avec l'équipe, procède à l'identification des points d'eau, à l'aménagement de la source et à l'adduction de l'eau potable vers le village. À 12. Ce souk a lieu 2 fois par semaine. C'est un lieu d'échange et d'approvisionnement des villageois de l'Ounain. C'est aussi un lieu de rencontre des membres de l'équipe avec la population pour la discussion des problèmes et des modalités se rapportant aux actions à entreprendre. La source la plus proche se trouve à quelle distance du village ? Les deux sources les plus proches sont à égale distance.
2 km. Nous venons de trouver cette seconde source, à 2 km, et qui ne fait l'objet d'aucun litige. Moi, je voudrais d'abord aller sur place et voir avant de prendre une décision. ومنين غادي تسيل منين غادي يكون مثلا وهذا الشيء كله مغطي مغطي بواحد الضاله وكان غادي تسيل منين غادي يفيض Parmi les membres de la communauté villageoise, le معلم, artisan, maçon, menuisier, est l'un des interlocuteurs privilégiés de l'équipe. Avec l'architecte, il participe à la mise en forme de l'idée que la Jemaa se fait de ce complexe. Voici une avance sur le salaire. Vous allez devoir vous rendre à Marrakech chercher le matériel nécessaire à la construction du hammam. À présent, vous allez discuter avec l'architecte pour vous mettre d'accord sur les travaux. Ici, c'est le lieu de prière. À côté l'école coranique, en face, on construira la porte du futur hammam. Cet espace doit être divisé. On aura ainsi 2 pièces pour le hammam. D'accord. On construira 2 espaces ici, ce qui nous donnera des pièces de 2 mètres carrés. D'un côté, on aura le hammam proprement dit. Et de l'autre, la salle de déshabillage. Si on imagine que ça, c'est le premier toit. Le second se situe à ce niveau. On n'a pas beaucoup d'espace entre les deux. C'est pour cette raison que je propose de laisser 20 cm d'écart. Dans le mur, il faut prévoir la place de 3 cheminées, de telle sorte qu'il y ait appel d'air. Si la pièce est entièrement fermée, elle ne chauffera pas correctement. Donc ici, on mettra les 3 cheminées. C'est ça. Là, on mettra une dalle en fer. Et en dessous, on aura un espace vide. Ici, nous sommes à la frontière de 2 cultures, de systèmes de valeurs, de normes sociales et d'attitudes individuelles complexes. Entre le ma'allim et l'architecte, ou de l'architecte au ma'allim, se pose la question de la vérité du savoir. La tête qui pense, la main qui exécute, décalage de temporalité, rencontre, convergence, dialogue, complicité. Ici, on aura le hammam des femmes. Il faudrait prévoir 2 pièces avec l'entrée par là. Ici, nous sommes proches du bassin d'eau et le ruisseau passe tout près. Mais par où vous allez faire passer les tuyaux? Et où est-ce que vous comptez placer les robinets? Il y aura un robinet près de l'accumulateur d'eau chaude. Et l'autre, on le sortira directement du bassin et il sera pour l'eau froide. Ah.
À Takoldmi, l'adduction d'eau potable dans le village a suscité une mobilisation exemplaire. Plus de 2700 mètres de canalisation ont été mis en place, reliant la source située à 900 mètres d'altitude au village. Deux bassins hermétiques, l'un pour la réception et l'autre pour le stockage. Ainsi qu'un réseau de distribution d'eau enterrée ont été réalisés. En aval, la distribution est faite à partir de 5 bornes fontaines, desservant chacune une partie du village. Les ingénieurs de l'école de Rabat sont venus pour l'intérêt général. Ils ont trouvé beaucoup de sécheresse à Takoldmi. Ils nous ont aidés avec des tuyaux. La communauté a travaillé pendant 2 mois à 20 personnes. Le douar de Takoldmi contient 40 familles et 200 personnes. Les membres de la Jama'a ont travaillé avec enthousiasme en utilisant toutes leurs ressources jusqu'à ce que les tuyaux atteignent le village pour y apporter l'eau. Il ne suffit pas d'amener l'eau au village pour résoudre les problèmes d'hygiène. Il est nécessaire d'identifier et de créer des espaces collectifs de pratiques d'hygiène compatibles avec les croyances et les usages de la population. Ainsi, l'expérience engagée à Ait Yassin s'achemine vers la mise en place d'un complexe hydrosanitaire intégré autour de Timsgida, la mosquée, et de la borne fontaine, qui sont des lieux de polarisation quotidienne de la population.
Le rôle de la mosquée dépasse en effet la simple pratique religieuse. Lieu de prière, d'hygiène physique et morale. Elle est aussi un espace d'instruction pour les enfants et de réunion pour les adultes. Elle sert aussi de lieu d'accueil pour les étrangers et les voyageurs. Ici, il faut creuser davantage dans la roche. Et une fois dépassé ce bloc, il faut orienter les recherches à droite. Après, l'eau sortira, j'en suis sûr. Et là, ça sera de la bonne eau. L'eau dont nous nous servons est celle de l'oued. Avant qu'elle n'arrive au Douar, elle a déjà servi à tous les usages domestiques dans les autres villages. L'eau de l'oued nous provoque des maladies. Elle n'est pas bonne. Ici, je suis seul et il n'y a personne pour m'épauler. Sur un total de plus de 50 villages de Lounine, 4 à 5 seulement sont concernés actuellement par le projet. Un nouveau besoin a été ainsi créé, une dynamique et une volonté accrue de participation de la population. Mais entre les attentes et le potentiel de l'équipe, la distance est grande. D'après ce qu'on m'a dit, le directeur de l'équipe leur demande de bien s'occuper des gens de Lounmein. Nous, dans notre village, nous n'avons encore rien vu de la part de ces gamins. Quant à notre bassin, c'est Pascan qui l'a construit.